Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Recettes de Victor. Nouvelle recette aujourd'hui les amis, on va se préparer un poulet, des aiguillettes de poulet pardon, marinées. Pour ce faire, il vous faudra deux beaux morceaux de poulet, deux escalopes qu'on va déjà découper, vous dégraisser au gros. On enlève le plus gros du gras sur nos escalopes de poulet. Hop, on enlève au gros. On va se faire de bonnes aiguillettes, c'est délicieux. Ça coûte pas cher. Le tout, c'est d'avoir un peu de poulet à la maison. On dégraisse grossièrement. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez votre poulet et vous faites des petites aiguillettes. Voilà, à peu près comme ça. Idéal avec des frites, des pâtes, de la purée. Vous pouvez accompagner avec n'importe quoi. C'est super bon. Voilà. Bon, là, on va plutôt le prendre comme ça. Hop. La dernière, elle me paraît bien. Vous voyez, ça fait à peu près des belles aiguillettes. Environ 10 cm de longueur et à peu près 2 cm de large. On fait pareil avec le prochain morceau. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne année. Malgré ces temps difficiles, bonne année 2023, meilleurs voeux à tout le monde. On va débuter l'année avec un bon plat. Même si bon, on est déjà bien rentré dans le mois de janvier. Alors, notre poulet est découpé. Maintenant, il nous faudra du gingembre, du paprika, de la coriandre, de l'ail semoulé. Si vous n'avez pas d'ail semoulé, vous pouvez prendre de l'ail frais, vous l'émincez. Du curcuma, des herbes de Provence, du curry, du poivre, bien sûr du sel, la base hein, de la cuisine. On va enlever ça. Et un yaourt à la grecque. Là, c'est un authentique yaourt à la grecque. Si vous n'avez pas de yaourt à la grecque, vous pouvez mettre du fromage blanc. Ça marche aussi. Hein. Alors, ensuite, on va bien sûr venir déposer nos aiguillettes dans un plat. On va plutôt enlever ça. La planche à la plonge. Voilà. Vous voyez, nos aiguillettes, ils sont pas mal. À peu près tous uniformes. Il nous faudra aussi, bien sûr, de l'huile. Normalement, c'est de l'huile d'olive. Pour ma part, je vais mettre de l'huile de colza. J'ai plus d'huile d'olive. J'ai pas le temps aujourd'hui d'aller au magasin. Donc, vu que je travaille tout de suite après, là, je prépare le plat pour tout à l'heure. Donc, chez vous, de préférence, mettez de l'huile d'olive. Moi, je vais mettre de l'huile de colza. J'ai déjà testé, c'est bon aussi. Mais c'est meilleur avec de l'huile d'olive. Alors, vous allez mettre deux belles cuillères à soupe d'huile d'olive.
je répète, d'olive, parce que moi c'est de la colza. Après, si vous n'avez pas d'olive, vous pouvez faire comme moi, bien sûr, hein. Mais c'est quand même meilleur avec l'huile d'olive. Ensuite, on va ajouter nos épices. Alors, on va commencer avec le curry. On y va franco, au pif. Pour les repères, vous pouvez mettre une belle cuillère à soupe. Moi, je mets au pif, vu qu'à force de faire la recette, j'ai l'habitude. Vous mettez à peu près une cuillère à soupe de tout, sauf le gingembre. Le gingembre, vous mettez plutôt une cuillère à café. Après, vous pouvez mettre une cuillère à soupe aussi. Mais bon, moi, je préfère comme ça. Donc, si vous voulez vraiment suivre ma recette, vous mettez l'équivalent à peu près, hein. Je dis bien à peu près, à vue d'œil, d'une cuillère à soupe de chaque ingrédient. Et on va dire une cuillère à soupe, enfin une cuillère à café, pardon, pour le gingembre. Un peu moins de gingembre parce que, bah parce que voilà, c'est ma recette. Moi j'aime bien comme ça. Là vous voyez, je vais mettre le gingembre, je vais pas en mettre trop. Parce que gingembre, ça a un goût fort prononcé et il faut pas que ça prenne le dessus sur les autres épices. Maintenant, on va mettre l'ail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les recettes avec le poulet, parce que j'ai pas mal de recettes comme ça. Hop, on met les herbes de Provence. Après, pour les petits gourmands, si vous aimez certaines épices plus que d'autres, bah, n'hésitez pas à mettre selon vos goûts. Vous pouvez aussi rajouter un peu de piment d'Espelette, par exemple. Moi, pour ma part, vu que j'aime pas trop ça, j'en mets pas. Mais sinon, vous pouvez en mettre. On met du sel. Le sel, pareil, vous mettez selon vos goûts. Hop, voilà. Maintenant, on va attaquer avec le yaourt à la grecque. Voilà. N'hésitez pas à mettre du fromage blanc si vous n'avez pas de yaourt. Hop, on va mettre le yaourt à la grecque. Yaourt à la grecque, c'est ce qui donne la texture, c'est ce qui lie les épices à la viande. C'est pour ça que bon, bah, c'est meilleur, hein, ça a une texture spéciale, ça. Après, si vous n'avez pas, vous mettez du fromage blanc ou un yaourt nature. Par exemple, vous pouvez mettre aussi un yaourt nature. N'y a pas de souci. Après, c'est vraiment du détail, quoi, hein. Maintenant que tout est fait, attendez. On rajoute aussi une cuillère de vinaigre pour donner un peu d'acidité dans la préparation. Hop. Et maintenant, on mélange bien. Bien mélanger. Que le poulet il s'imprègne bien des épices et du fromage, enfin du yaourt. C'est une recette que je fais assez souvent. Bah nous on adore ça, les enfants ils adorent ça. C'est vraiment très bon. Voilà, vous voyez. Vous mélangez bien de sorte qu'il y en a vraiment bien partout. Faut que votre poulet y ait bien imbibé. Votre préparation. C'est vraiment une recette qui coûte pas cher. Ça va quand même plutôt vite à faire. En fait, le plus chiant, c'est d'avoir les épices à la maison, quoi. S'il vous manque une épice, vous pouvez quand même reproduire la recette, hein, la tester, puis vous voyez ce que ça donne. Après, le mieux, c'est de faire la recette vraiment à l'identique. Et puis ensuite, vous ajustez selon vos goûts. Hein, si vous voulez une épice un peu en plus ou un peu en moins. Voilà, là, c'est bien mélangé. Alors, on va enlever la cuillère. Et maintenant, on va filmer le tout. Attendez que je prenne du film.
Vous prenez du cellophane et on va venir recouvrir le plat. Vous essayez de bien fermer le plat, même si des fois j'avoue c'est pas évident. N'hésitez pas à mettre en double, hein, si vraiment il n'y en a pas assez. Voilà. Hop. Hop. On tend bien. Et voilà. Maintenant le poulet, la préparation est faite. Et on va laisser reposer comme ça pendant environ une heure. Le mieux c'est de le préparer la veille. Si ça repose toute une nuit, c'est encore meilleur. Moi là j'ai pas trop le temps donc je vais le laisser une heure reposer et on se reprend tout à l'heure pour la cuisson et la présentation du plat. A tout à l'heure les amis. La viande est en route les amis, n'hésitez pas à récupérer votre sauce. Moi, je ne gâche rien. Je vais récupérer le plus gros de ma sauce. C'est que meilleur. Hop, vous l'étalez. Voilà. J'ai laissé mariner une heure, comme je vous disais. Le mieux, c'est de laisser toute une nuit. Vous mettez ça toute une nuit. C'est un délice. Et là, vous mettez à feu moyen. Voilà, vous mettez à feu moyen. En les remuant et en les retournant à peu près tous les 2-3 minutes. Là, on va laisser cuire un petit peu. D'ici 2-3 minutes, je vais venir les bouger, quoi. On a 2 minutes de cuisson les amis. Hop, on va venir retourner nos petits poulets. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Magnifique. Et vous voyez qu'on peut manger des bons plats avec peu de choses. Hein. C'est seulement qu'un peu de poulet puis quelques épices. Vous voyez? Moi je vais faire ça avec des pâtes, forcément, avec le travail. Mais vous pouvez accompagner avec des frites, des pommes de terre, du riz, un bon riz bien cuisiné là. C'est super aussi, avec un peu tout. Hein. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... C'est très appétissant. Bon, ben, on va laisser cuire 2-3 minutes de plus. Et ainsi de suite. Et vous faites ça pendant environ 10 à 15 minutes. Selon vos goûts. Si vous aimez bien cuit, un peu moins cuit. Normalement, le poulet, faut que c'est bien cuit, quoi. Mais faut pas non plus cuire pendant 30 minutes. Ça va être trop cuit. C'est pour ça que vous mettez pas à feu doux, ni à gros feu. Vous mettez à feu moyen.
C'est très bien. Moi, je fais comme ça. C'est pas la première fois que je fais la recette et je me suis dit que j'allais vous la partager. Autant en faire profiter mes abonnés ou les nouveaux qui viennent voir mes vidéos. Mettez un petit pouce, ça me ferait plaisir. Ça aide à référencer la chaîne. Et puis pour ceux qui veulent s'abonner, ben vous êtes les bienvenus. Allez, on va laisser cuire un petit peu. A tout de suite les amis. Et vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'ajouter de matière grasse. Surtout pas d'ailleurs. C'est la marinade qui sert de lubrifiant pour la poêle, quoi. Ça a l'air très appétissant. Je vais me régaler. Pour les amateurs de poulet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Moi, j'adore le poulet. Là, ce soir, ça va être pâte. J'ai fait des pâtes. Je peux vous montrer une petite pâte. Le genre de pâte que j'ai faite. Regardez, j'ai fait des serpentini. Je vais faire ça avec mon poulet. Une petite sauce tomate. Après, vous pouvez manger aussi sans sauce tomate. Car le poulet il est tellement bien épicé que vous pouvez le couper en petits morceaux, mélanger dans vos pâtes, c'est super bon aussi. Il y a plein de recettes à faire avec du poulet en réalité. Hein. Par exemple, là, si vous voulez, vous pouvez couper en tout petits morceaux votre poulet, en tout petits dés. Vous mélangez dans vos pâtes quand vos pâtes sont cuites. Et vous pouvez aussi rajouter un oignon, par exemple, dans la cuisson. Ou un ail complet en petits morceaux. Attendre que l'ail ou l'oignon devienne fondant. Et vous mélangez avec vos pâtes, c'est délicieux. Moi, je cuis mes pâtes en même temps. J'ai mis le poulet 3 minutes à l'avance. Et au bout de 3 minutes de cuisson du poulet, j'ai lancé la cuisson de mes pâtes. Hop, on va retourner les petits poulets. Voilà. Pour avoir une cuisson bien uniforme, vous retournez tous les 2-3 minutes et vous faites ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Après, si vous aimez bien croustillant, vous pouvez mettre à plus grand feu. Ou laisser cuire un peu plus longtemps. C'est selon les goûts de chacun. Voyez ça les amis, ça a l'air très bon. Une belle coloration. Ça sent super bon, c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur. Attendez, hop, on règle bien. Voilà. Là, c'est bientôt cuit. Je dirais encore une ou deux fois, je les retourne et puis ça va être bon. Des bonnes petites recettes, pas chères, économes et qui vont super vite à faire. Le plus long, c'est de laisser mariner. Après, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez mariner pendant un quart d'heure, 20 minutes. La viande, elle va quand même s'imbiber, quoi. C'est grâce au yaourt grec. C'est pour ça qu'on met du yaourt grec ou du fromage blanc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui fait la liaison des épices avec la viande. Et c'est super bon, moi je préfère faire des trucs comme ça, épicés et tout ça, marinés, que manger du poulet blanc, quoi, comme ça. Bon après c'est sûr, pour ceux qui n'ont pas
toucher les œufs. Ah, vous faites avec les moyens du bord, hein, comme on dit. L'essentiel, c'est de manger, quoi. C'est pour ça que moi, j'aime bien vous partager des recettes assez simples. Et j'ai eu des super bons retours, hein, sur pas mal de vidéos. Hein. Des vidéos très simples, hein, comme par exemple mes lasagnes. Mes lasagnes à la bolognaise, ils approchent les 130 000 vues. J'aurais jamais cru ça pour mes lasagnes. Et c'est vrai que moi-même, j'adore mes lasagnes et ma famille, elle adore mes lasagnes. Mes amis, ils adorent mes lasagnes. Et mes abonnés, pourquoi ils adorent mes lasagnes. Et bien d'autres vidéos, quoi. Il y a d'autres recettes, je veux dire. C'est des choses assez simples. Hein. Moi, je vous montre la simplicité. J'ai travaillé dans deux restaurants et pourtant je ne prends pas la tête ici à la maison à taper des manières. Je vous fais voir au plus simple pour les gens qui cuisinent simplement. Ils n'ont jamais vraiment été trop cuisiniers dans leur vie, quoi. Et il y a moyen de bien manger sans avoir 10 ans d'expérience derrière les cuisines. Allez, on va les retourner encore une fois. Ouais, une belle couleur. Je déteste ce truc parce que ça glisse. C'est un fail à chaque fois. Cette pince en plastique, on est obligé de prendre du plastique pour pas abîmer les poils parce que c'est des nœuds. Mais c'est vrai que ça glisse. C'est pas très pratique. Moi, je suis habitué à l'ancienne. Même si je suis pas très vieux, j'aime bien les recettes de grand-mère. Voilà, c'est impeccable. On tourne un peu. Voilà. Jouez toujours comme ça avec votre viande. Parce que forcément, tu as toujours un côté sur une poêle qui, où la température va être légèrement plus haute. Donc moi, j'aime bien jouer avec la viande comme ça, la bouger. Voilà, hop. D'ici 2-3 minutes, c'est cuit. On se reprend tout de suite. Bah, ça me paraît bien bon, tout ça. Ça fait 12 minutes. À peu près 12 minutes que mon poulet cuit. C'est bien tendre. J'ai piqué avec un couteau. Sans forcer, ça rentre. Donc, à mon avis, c'est bon. On va couper le feu. Et je vous retrouve tout de suite en présentation d'assiettes et en dégustation pour vous faire voir ça en direct. A tout de suite. On va se mettre un petit morceau. On va goûter ça devant vous, les amis. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On coupe en deux. Voyez le milieu. Délicieux, les amis. Voilà, les amis, je vous souhaite bon appétit à tous. Et je vous conseille de tester cette recette, elle est trop bonne. Likez et abonnez-vous, ça me ferait plaisir. À bientôt pour de prochaines recettes, les amis. Ciao.